Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose Adobe Edge Web Font, qui est une bibliothèque de police web gratuite. Adobe, Google et Degraphi se sont associés dans le but d'améliorer le web. Pour cette présentation, je vais utiliser l'éditeur Adobe Edge Code que vous pouvez obtenir gratuitement après vous êtes inscrit sur le site d'Adobe Creative Cloud. Alors, vous devez déjà commencer par vous rendre donc sur Adobe Creative Cloud. Et vous inscrire ici, c'est gratuit. Vous pourrez ainsi obtenir donc ces logiciels gratuitement. Enfin, du moins l'accès ici et ces logiciels gratuitement. Voilà. Une fois que vous serez inscrit, hop, vous pourrez vous rendre sur cette page et vous voyez, bon, ici nous avons donc outils et services Edge. Donc, bah voilà, tout ceci est téléchargeable. Alors, en ce qui nous concerne ici, vous téléchargez celui-là. Voilà. Alors, au passage, j'indique que, indépendamment donc du logiciel Adobe Edge Code, vous pouvez ici sélectionner, pour ceux qui ne connaissent pas encore la page, bon, bah, la police que vous souhaitez. Vous avez un aperçu ici. Le script correspondant à copier et à coller dans votre page HTML et ici le CSS. Donc, bah, on va faire tout de suite une petite présentation. Alors, ici j'ai créé une page HTML toute simple et nous avons là une feuille de style. Donc ici, je vais recréer une deuxième balise, donc H2. Voilà. Ensuite, je vais créer alors quatre paragraphes. Avec du faux texte. Voilà. Et nous allons donc enrichir cela comment je vais dire, eh bien, les polices que nous allons choisir, enfin, que j'ai déjà prédéfinies. Bon, alors, allons-y. Bon, je tape uniquement le body pour la marge. Et ici, je vais mettre un margin de 10 pixels. Voilà, comme ça va bouger un petit peu. On a un peu plus de place. Bon, alors maintenant, notre H1. Alors, fond de famille. Alors ici, vous avez donc un petit menu. Alors ce que j'ai oublié de vous préciser au début, c'est que sur ce logiciel, donc Adobe Edge Code, vous avez Adobe Web Font qui est installé d'office hein, ici. Hein. Donc c'est ce qui fait que lorsque nous avons commencé à taper l'argument, eh bien ce petit menu. Alors ici, nous allons parcourir les polices web. Et là, alors là, c'est pour les paragraphes, là, c'est pour les titres, là, vous pouvez faire des sélections vous-même pour sélectionner, donc, si c'est en cursive ou autre, hein, bon, ça, je vous laisse regarder. Si vous connaissez le nom de la police, vous pouvez taper ici, c'est ce que je vais faire. Alors ici, donc, nous sommes dans les titres. Donc, je vais dans les titres, et là, je vais rechercher, je sais plus, c'est, ah oui. Oui, voilà, Ligue gothique. Voilà, hop, terminé.
Je ferme ici, toc. Alors, je vais donner une couleur de fond différente. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oui. Voilà, une petite couleur de fond différente. Ici, nous allons faire la balisage 2. Alors ici, encore une fois, fond de famille, c'est le but. Voilà, alors allons-y. Là, nous sommes toujours donc dans les paragraphes. Non. Voilà, dans les titres. Et j'en ai déjà choisi une qui me paraît pas mal. Voilà. Toc. Et alors là, je devrais mettre. Voilà. On fait les choses proprement. Bon, donc ici, nous l'avons déjà. Bien. Alors, maintenant, les paragraphes. Alors. Bon, ma couleur noire. Alors là, on va changer de police. Voilà, zoom. Alors ici, nous allons donc dans paragraphe. Là, j'en connais déjà une. Voilà, on va prendre celle-ci. Et je vais lui donner font size de 2 EM. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé ici, bon, là, vous voyez, ça ne. Nous n'avons pas du tout ce que nous souhaitons. Alors, j'ai augmenté la taille de la police car là, c'est nécessaire. Alors, vous cliquez sur la petite icône en haut à droite et nous récupérons ici toutes les polices dans un script, donc. Et vous le collez ici. Voilà. On va regarder le script ensuite. Et voilà le rendu. Bon, ben voilà. Alors, j'ai mis effectivement une taille de 2 EM qui était importante tout à l'heure, bon, en raison d'une écriture cursive, bon, puis du style de la police, hein. Bon, ben, c'était nécessaire. Alors, ici, voilà. Alors, nous avons donc. Bon, ici, dans le script, donc var, alors ça correspond donc au code, hein, globalement. Et ici, nous avons l'adresse donc de Edge Font et toutes les polices, les unes après les autres. Voilà, c'est tout. Bon, eh bien, j'espère que cela rendra service à ceux qui ne le connaissaient pas. Si vous avez des questions, voire des retours, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir dans les commentaires ou sur le forum. À bientôt!